Amis téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est entrée des classes là qui commençait à partir de ce même ça, côté Timounio a retourné prendre chemin l'école pour y aller prendre l'instruction, pour y aller prendre savoir dans le lieu pour être capable de citoyen. Et bien, conséquent de mecs qui a participé dans le projet de reconstruction pays, dans l'idée tout pour capable d'une des citoyens valables qui permettent que le pays soit transformé et permettre tout que ça nous arrive dans un pays côté monde qui vivent en monde tout bon sur lui. Et c'est toujours souhait ça que nous faisons en édition pour la Haïti 360. Même j'en lis chaque soir, c'est toujours en nous, Lionel Edouard qui va le mener à Souéa. Pendant nous allons parler éducation en dans édition pour la. Éducation, j'en connais, c'est lui-même qui protonit un changement tout partout sur la terre. En quelle société pas qu'à changer sans que ressources humaines qui en dans pas formées, sans que jeunes n'y même n'y pas éduqués. C'est dans ce sens-là, à ce moment-là, nous allons continuer. Je ne t'ai pas fait depuis la semaine passée, nous allons parler d'éducation dans l'émission pour là. Nous allons recevoir pour une personnalité qui gagne sous double charge pour mener une politique éducative, pouvoir en place là, gouvernement en place là, dans l'idée pour permettre que le système n'a plus bien fonctionné, dans l'idée tout pour permettre que la jeunesse joue un accès à une éducation de qualité pour le cas transformer l'environnement, jeune pape, jeune suspendu, si ça en dedans. Invitez-nous à soir dans l'édition pour la Haïti 360, c'est le ministre de l'Éducation nationale là, Jean Taka, déjà présagé lui, et bien Pierre aujourd'hui à Jean Cadet, qui peut le faire le point avec nous autour de l'entrée des classes là qui fait aujourd'hui. Libéral, expliquez-nous toute mise en place qui était faite pour te permettre que l'entrée des classes là capable de vivre une réussite sur tout territoire national là, parce que ce n'est pas seulement Port-au-Prince ou bien dans le département de l'Ouest là. On a l'école en notre pays, on a l'école tout partout. Et une souhaite qu'on a formulé un petit milieu à l'école, c'est que vous êtes bon à l'école et que vous arrivez à jouer une instruction valable en notre système pour vous-même, vous êtes capable de construire de la plus bonne des manières que possible, de la meilleure des manières possible. Jean, nous-mêmes, nous toujours dit ça en dans l'émission pour là. Ministre Pierre-Joseph Alain-Cadet, bienvenue dans Haïti 360. Merci Lionel et m'a saisi l'occasion pour me saluer pendant que m'a salué tous les téléspectateurs et téléspectatrices télé nationale notamment et toute sa cap suivre émission Haïti 360. L'école c'est la vie, c'est thème ça retenir à soya mais jodi pour ça entrer des classes la grande entrée ça qui a fait là bien que nous connaissons l'autre entrée qui a fait tout pour exemple l'entrée pour monde qui n'a fait formation professionnelle entrée universitaire qui va être faite très bientôt mais je vous dis on a parlé de entrée des classes et bien entrée des classes là côté jeune petit monde qui dans l'école fondamentale yo dans l'école et dans préscolaire dans nouveau secondaire il y a gagné pour yo brancher l'école pour y commencer à recevoir sa voix et permettre que yo joignent yo un maximum de jours de classe Jean ça toujours lié dans la dernière année yo par rapport avec effort qui fait dans le système nan, malgré nous qu'on est qu'on gagne en pile éléments perturbateurs tout qui qu'on fait que des fois et ben si nous yo pas arrivé à l'école mais toujours des efforts qui fait pour un maximum de jours de classe que tu m'as même obligé de suivre pour être capable de gagner ça nous donner le maximum de connaissances que possible. Pierre-Joseph Agino Kader, et première question, c'est soutenu, non? L'école, c'est la vie, ça veut dire qui ça pour le monde qui t'a réfléchi dans le ministère? Bon, l'école, c'est la vie, et c'est pas seulement en Haïti, c'est quel que soit côté passé sur la terre, parce que les parents, par exemple, investissent dans l'école petite, non seulement dans les outils, pour le capable d'utiliser tête demain, mais en même temps, tout la forger en l'autre société pour pays côté Timounaï. Et nous connaissons l'école lui-même, c'est chemin développement durable qui puis bon garanti pour parents et tout. Mais en ça, nous devons avec un thème qui pilage toujours dans l'école là, c'est pour une école inclusive dans une nation solidaire. Maintenant, là, on a parlé d'école inclusive là. Sont l'école côté tout le monde vient l'école. Et quel que soit rang social, mon nom, origine sociale, l'école fait pour tout le monde. Parce que l'école, ce n'est pas affaire au monde, ce n'est pas affaire au ministère, ce n'est pas affaire au président, ce n'est pas affaire au premier ministre, c'est affaire tout le monde qui est dans la société. Mais aujourd'hui, là, on dit que l'un n'a pas de l'école. C'est l'école qui peut transformer toute société. C'est l'école qui peut transformer le pays. C'est l'école tout pour mettre un pays sous rail développement durable.
l'importance pour l'école là. Mm-hmm. Donc on a parlé de nation solidaire. On a regardé par exemple, ça va être trop longtemps, c'est en 2008, dans le journal de Nouvelliste par exemple, c'est un article qui te paraît, qui t'a montré comment en Haïti, nous avons plus passé 500 000 timons qui viennent l'âge à l'école, qui partent dans l'école. Tell us, fam. Jodi en 2018, avec gros efforts qui fait l'éducation, nous à 320 000. Mais objectif par nous, c'est ouais comment nous capables d'arriver à zéro timon qui viennent l'âge à l'école, qui pas trouver dans sa vie. L'école, c'est la vie, l'État, qu'on travaille pour faire, dans faciliter accès à Timounouan dans l'école, là, dans créer tout un système éducatif qui permette, justement, que Timounouan arrive de joindre des connaissances, et qui capable d'utiliser pour intégrer dans la société, là. Mais pour arriver à ça, imaginez pour entrer l'école, ça, justement, gagner un pile mise en place qui est faite, notamment dans la question subvention manuelle scolaire qui pratiquement vient tourner, ça, dans le culturel, je vous dis, dans ce système-là. Effectivement. Donc, là, nous, en Haïti, par exemple, nous, dans le pays, côté, je dis, nous avons pu se passer 20 000 livres, 37%. Maintenant, pour préparer l'école là, c'est plus de 4 millions de timons qui vont à l'école. Donc, bon, on nous dit, si nous voulons un chiffre exact, c'est 4 684 000 timons qui vont à l'école. En dedans, plus de 20 000 en dans tout le pays. Maintenant, dans l'État, non seulement le ministère qui travaille pour ça, pour faciliter rentrer l'école là, mais tout équipe gouvernementale là, tu mobilises tout. Mm-hmm. La primature et notamment la présidence. Parce que, en dans le palais national, il y a au moins une vingtaine de rencontres qui fait avec tout acteur pour rentrer l'école là, tu es capable d'elle. Mm-hmm. Par exemple, nous joignons l'éducation nationale toujours là. Mm-hmm. Nous joignons un service transport scolaire toujours là. Mm-hmm. Programme cantine scolaire toujours là. La police toujours là. Sécurité publique toujours là, mm-hmm. La justice toujours là, parce que l'on parle de l'école, c'est toute société. C'est un élément transversal. Et maintenant, nous, on a fait une planification. Par exemple, au départ, dans le ministère de l'Éducation nationale, mm-hmm. avec le marché public mm-hmm. que nous avons lancé, nous avons 198 000 kits scolaires mm-hmm. qui commençaient, je dis à l'an, dans tout le département, pour regarder après. Directeur de Batantalio, tu as distribué qui scolaire avec Timounio pour marquer lancement officiel là. Non seulement ça, mais il y a 12 000 bantous, l'État fait construire. Parce que chaque année nous faisons, mais chaque année, il faut qu'on renforce les bantous, il faut détériorer, il faut qu'on remplace. Nous avons une femme qui était là, nous venons mettre 30 000 en plus pour aider Timounio d'entrer l'école là. Non seulement ça, si dans le niveau ministère éducation nationale, mm-hmm. nous recevons plus de 20 000 dossiers par an à problème qui viennent chercher subvention pour écolage. Dans le niveau l'État, sous instruction du président, et tout le monde sent-il, tout employé de l'État te joint en bourrade, en appui pour entrer scolaire. Mais malheureusement, on connaît que c'est une fois. Si ce n'est pas la première fois dans le pays d'Haïti, dans mm-hmm. pareil moment, ça, nous tomber dans tel problème. Qui problème? L'école a prouvé, budget rectificatif est pour voter, budget nouvel exercice fiscal est pour voter, nous dans la période cyclonique, mm-hmm. c'est dans le même moment ça où vient tomber nos gouvernements démissionnaires. Maintenant, le budget n'a pas été voté, rectificatif la plus pile dépense, maintenant, président de la instruction, pour appuyer tout fonctionnaire d'État dans notre l'État. Ça veut dire moyen nous réduit là. Nous respectons quand même. Parce que la première décision que tu prends au niveau de l'État, au niveau gouvernement, au niveau de la présidence, mm-hmm. c'était pour te permettre de commencer le 13. Et puis le 13, de commencer à payer les gens qui sont dans l'État pour qu'on ait moyen pour préparer l'école Timoun. Pour entrer l'école Timoun. Non seulement ça, c'est salaire ou non, mais la présidence, c'est pour décision tout. Côté dit, pour appuyer fonctionnaire l'État, dans l'entrée l'école là, gagner un petit chocho kabay. Qui j'en chocho atteye, si son monde qui travaille dans l'État, qui est fonctionnaire ou bien contractuel, qui gagne un salaire qui vivait jusqu'à 25 000 gouttes, mm-hmm. eh bien, il va li 100% de salaire. C'est pour 14e mois, j'en m'en ai parlé là, parce que pour 14e mois, il faut avoir une provision légale. Goud. Si moun nan gagne 25 000 gouttes, rive 46 000 gouttes, nous avons 50%. Plus passe 46 000 gouttes, 25%.
Eh bien, faut que nous que depuis samedi, et vous entendez l'enquête d'émission que tu as faite dans plusieurs radios, depuis samedi, chaque policier était déjà prêt. Depuis au Téléo, pour te passer, et banque DRH était ouvert jusqu'à 3h30 l'après-midi, pour te passer prêt. Et pas pour professeur, pour policier. Et pas pour professeur, après tout. Donc, mon calendrier, le ministère des Finances était publié. Bien entendu, tout bagage était préparé. Pour que tu fin payé employé de l'État le 23, et dès le 23, tu as commencé tout avec appui pour entrer dans ça. Malheureusement, question de budget, mais quoi que ça, ils ont débrouillé quand même, depuis samedi dernier, ils ont commencé. Et jeudi, elle a continué, ils vont faire du 5 au 8, ils vont faire pour toute procature dans l'État. Très bien. Et donc, en dehors de tout bagage, ça, on a parlé de subvention à l'écolage, appui à l'entrée de classe. L'État a de ça, investi un pile d'argent pour subventionner manuel scolaire. Juste avant pour nous venir dans la question manuel scolaire, là, qui est fondamentale d'ailleurs, c'est pratiquement tradition, je vous dis, dans le système éducatif. Là, faut que manuel soit subventionné parce que entre les classes, là, c'est le premier bagage que les parents eux-mêmes ont pratiquement obtenu parce que d'ailleurs, ils bénéficient à tous les parents, quel est dans le privé, que si vous êtes dans l'école publique, l'État. N'a pas gardé l'image entre les classes là, en le département de grand-dance. Pendant qu'on a continué avec le ministre Brassé Libé autour de l'action gouvernement, action la présidence, action ministère éducation nationale et formation professionnelle lui-même, eh bien, il a été fait pour permettre que rentrer les classes là, jeune d'Abdil, le commencement de l'émission, t'as venu réussir. Pendant qu'on a gardé l'image, on a continué avec le ministre, et sous question manuel scolaire, il y a bien des imprimeries qui ont plein que l'argent bat les valeurs, et qui sont gagnés comme explication par rapport à avec et nous capables de dire et propriétaire des primes, ça on t'a dit que il va recevoir l'argent à temps. Nous tenons de ça on t'a dit ya. Pendant ce temps pile éditait tout qui est en bité manuel scolaire en circulation. Nous tenons compte à vendre ou à circuler parce que l'état pas contre le monde. Nous même dans le ministère nous lancer appel d'offres là parce qu'il y a des salles d'appel d'offres tout la question ça depuis en novembre. Depuis en janvier tout éditait qui concernait qu'on est là. Et contrat à l'un pour les comptes, rivé juin, tout contrat fin signé. Mais bon, éditeur lui-même qui est en retard, parce que c'est lui-même qui a créé l'état pour être lui, parce qu'il n'a pas de signer pendant l'autre jour signé. Donc il vient signer avec un mois de retard. Même éditeur ça, depuis la date 22 août, tout contrat, nous avons signé trois contrats avec l'État pour manuel scolaire subventionné et en donation, contrat dans le même dûment. Donc, si vous avez fait la finalisation du contrat, c'est à cause de l'éditeur lui-même qui a signé le contrat par là. Avec un mois de retard. Parce que, Anessa, avec CRMP, parce que nous faisons tout bagarre de manière légale, avec CRMP, nous te dit que nous ne pouvons pas rentrer totalement dans le gré à gré, j'en sais qu'on fait tout le temps. Parce qu'il faut apprendre à respecter la loi. Donc, c'est comme ça, comme nous ne pouvons pas faire tout. Pour marcher à Nessa, ce magasin qui fait à fête, c'est pour une fois à fête, après manuel scolaire, nous te lançons au marché, et bien, dans la subvention manuelle, tu as gagné une portion marché, une portion gré à gré, dans la dotation, tu as une portion marché, une portion gré à gré. Très bien. Ok? Donc, à Nessa, l'État a dépensé plus de 720 millions de gourdes pour subventionner manuel scolaire et pour dotation. Maintenant, là, nous dit subvention avec dotation, pour tout téléspectateur et téléspectatrice, il faut que nous fassions une différence. Subvention manuelle scolaire, ça lié, l'État a payé 70% sur chaque manuel scolaire qu'on va avoir acheté. Et par même, on va payer seulement 30%. Mais ça, que les dotations elles-mêmes, l'État a payé totalité comme là. Donc, c'est l'État qui a acheté manuel et livre là, qui a le balil gratis. Alors, mais subvention manuelle scolaire elle-même, il concerne toute qualité de l'école. Très bien. Quitte c'est le réseau privé, bénéfice c'est le réseau public. Alors, mais la dotation lui-même, c'est seulement l'école létale. Bon, question fondamentale, et parents qui l'a caillou là, et rien ne pose une question ça. Qui, Jean, ministère lui-même, exerce contrôle sur le point de vente ça ou de manuel pour assurer que l'IA, et justement, il respecte que 30% y a bien pour balle, c'est ça seulement y a bien pour balle, il va plus que ça. Et d'abord, il y a logo, et puis dans le manuel, tout est pris à sourire. Par exemple, nous avons tous des vérificateurs. Nous voulons vérifier le stock, vérifier comment il a coulé, et ensuite nous faisons contre-vérification tout. Et nous-mêmes, nous voulons vérificateurs, nous voulons contre-vérificateurs. Par exemple, tout récemment, je suis passé dans C3
édition, en fait, qui est dans Bagalatou, qui est éditeur qui est dans Bagalatou, m'a regardé, moi, au manuel, je mettais prix normal, 200 et quelques gouttes, prix subventionné, 66 gouttes. Donc, on a quel souli. Donc, là, je passé dans, m'a regardé dans le contrat, et c'est toi, édition SA, groupe SA, ouais, ça, je mettais prix normal, prix subventionné. Non seulement un bon logo, mais il y a un prix à tout qui sont manuels là. Alors, juste avant que nous continuions, nous avons demandé à Régia pour repasser l'image, entrer des classes dans le niveau du département de l'Assemblée pour nous. Qui est fondamental pour nous rendre compte avec qui les gens entrent à fait un peu partout sur le territoire national parce que nous avons gagné pour nous garder des images de rentrer des classes là. Eh bien, dans 10 départements pays, là, pour au moins tout le monde qui a fait une idée et comprendre que c'est nécessaire pour nous jouer à l'école, pas quitter la caille pour perdre du classe, parce que chaque fois qu'on perd du classe, eh bien, c'est un effort en plus que vous pour faire pour rattraper eh bien, et éléments dans le programme là, que vous n'avez pas de temps, vous même le suivant dans la classe, vous n'avez pas de temps pour assimiler. Donc, il est fondamental pour vous, dès les premiers jours, eh bien, pour vous entrer en salle de classe, pour commencer à prendre bon gens, connaissances, pour être utile. Non seulement dans construit tête comme moun, mais tout dans aider dans construit dans l'autre forme société côté moun capable de vivre comme moun tout bon vrai j'aime toujours dire ça en dans émission pour là Haïti 360 ministre Kader David dit pour do Lionel non seulement ça et bien tant d'apprentissage là il y a une pile influence sur résultat ti moun nan très bien et bon nombre de cours pour ti moun nan gagné nous allez pour regarder par exemple sous fond on analyse de tout résultat examen l'état ça on va prendre compte que tout côté dans pays a c'est gain trouble l'école pas ta fonctionner normalement résultat au très bas l'on regarde côté pas de gain mouvement yo parce que pour se garder là dans danse 77% de baccalauréat dans ces choses extraordinaire danse son côté on pas jamais dans des mouvements dans sud tout c'est le bagage là mais tout côté toute journée si on dans la rue pour se bloquer, on va le faire pour petit mounio, pas pour un résultat ou pas bon. Donc nous-mêmes, comme enseignants, tout enseignant avec conscience professionnelle, nous voyons d'abord appel à la responsabilité. Son appel à la responsabilité. Nous d'accord avec des problèmes de revendication, certes, et je dis à nous avons l'État qui prend responsabilité, qui dit qu'il a pour porter solution à tout problème récurrent. Mais c'est pas Tibounio, Timounio même a droit à l'instruction. Nous avons droit à un apprentissage. OK? Faut que tu nous gagne temps pour apprendre. Donc les petits monde n'ont pas joint tout temps pour apprendre et bien il y a gros conséquences sur résultat dans l'école. Alors nous allons faire un premier campé en émission pour là pendant nous allons regarder qui j'ai entré l'école là qui fait jeune d'ab dit d'ailleurs dans le département de Grand-Est là et ou même qui devant écran rester branché n'a continuer tout de suite après avec promotion connaissance utile là promotion connaissance éclairée en émission pour là Haïti 360. Le lundi 3 septembre 2018, et j'ai que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé l'ouverture classique pour nouvelle année académique. Ça a été prévoit pour jeudi lundi 3 septembre. Et au niveau du département de Grand-Est, capable de dire que c'est pratiquement le cas, puisque là, nous allons capable de permettre de suivre même téléspectateurs et téléspectatrices de télévision nationale d'Haïti. Mais c'est une grâce qui prend le pour célébrer dans l'occasion pour capable marquer officiellement l'ouverture année académique 2018-2019 là dans le département Grand Est. Et très certainement, il y a ensemble notre activité qui prévoit faire toujours pendant la même journée ça pour capable permettre que ensemble établissement qui est dans le département Grand Est l'ouvre porte pour nouvelle année académique ça. Nous allons permettre aussi ensemble avec nous, téléspectateurs et téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti. Yeah.
Sans l'école, une société est foutue. Sans l'école, un pays disparaît purement et simplement. L'école fait voir l'avenir différemment. Celui qui va à l'école peut continuer à espérer. Une façon de vous dire, chers élèves, l'école est importante. Chers élèves, je vous exhorte à prendre au sérieux vos études, car votre vie future en dépend grandement. Si l'Esprit Saint reste le premier protagoniste de la formation, vous êtes cependant un acteur incontournable dans votre propre formation. Ça, on a dit les jeunes qui ont retourné à l'école, c'est bonne année scolaire. Parce que normalement, nous connaissons sur la vacances, journée jeudi, il faut reprendre l'activité. Donc, nous connaissons bien pile parents qui se fait en pile emergency pour les gens qui ont passé l'année dernière là, sous banc l'école. Dans ce sens, on a profité de un signal clair par le gouvernement qui est capable de faire beaucoup plus d'efforts. Pour elle qui est capable d'aider les parents qui ont les capacités pour étudier à l'école à Nessa. Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, nous, dans le département Gadesna, nous t'a permis de suivre comment ouverture classe à lui-même les fêtes jeudi, puisque nous connaissons le lundi 3 septembre 2018, et selon le calendrier ministère d'Éducation nationale avec la formation professionnelle, c'est maintenant d'ailleurs été projeté pour l'école à lui-même, l'ouvrir officiellement la pays, dans date 3 septembre 2018, là. Et notre objectif, ça, jeudi, à l'âme, dans le département Gadesna, nous t'a capable de regarder comment préparatif même nous avons fait qui ça qui fait pour journée et pour jeudi à l'âme des bonnes possibilités pour être capable de suivre ensemble avec nous tout d'abord diverses activités qui étaient faites dans le département qui étaient commencé ensemble avec une messe action de grâce qui était faite dans l'église Saint-Louis dans la ville Jérémie et messe action de grâce a été faite d'une manière pour être capable de permettre ouvert officiellement l'année académique 2018-2019 là et tout de suite après nous étions allés ensemble avec tout pour être capable d'assister ensemble à la distribution qui était faite dans plusieurs écoles dans le département notamment à Ville Jérémie, puisqu'il y a une distribution kit scolaire qui
tu as fait dans l'école nationale Catherine Font et ensuite nous t'es jambé dans l'école Pierre Paulin côté que nous là nous t'es capable assister ensemble avec distribution ça qui t'a fait dans le département de Grand Est. Donc pour qu'on y a l'irrité pour nous capable souhaiter toutes élèves une très bonne année académique 2018-2019 puisque l'école a l'ouvre officiellement jeudi lundi 3 septembre 2018 là. Télévision nationale d'Haïti, une Claudine des Anges depuis le département de Grand Est. Haïti 360, n'a pas l'éducation en émission pour là. L'éducation, ils sont outils fondamentaux dans la construction de l'espoir en un pays. Ça, ils ont l'espoir qui souvent fait nos défauts. C'est une raison qui explique parfois en un camping jeune obligé de quitter le pays parce qu'ils n'ont pas quoi que en un pays. Ça, ils sont capables de réussir à atteindre une tête commune et construire un demain un bien qui est mieux. N'a pas souvent pour une émission pour là. Haïti 360, ministre de l'Éducation nationale là, Pierre Josué Agenor Cadet, qui a fait le point pour nous, eh bien, autour de rentrée des classes là, par rapport avec les différentes mises en place qui fait, que ce soit au niveau de la présidence, mais également au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, eh bien, pour permettre que entrée ça, t'es capable de s'améliorer une réussite totale au niveau des 10 départements du pays. Ministre Kader, il y a un élément qui toujours a retourné en actualité, c'est la question de gestion corps professoral dans le système, qui toujours a un problème parce que à chaque moment, il y a occasionné des cassures dans le processus là et dans le même déroulement à l'escolaire là. Anissa, question les professeurs, question salaire des professeurs, qui j'ai le ministère à aborder, et dis-nous qui ça fait pour empêcher que, eh ben, professeur manifeste toute la journée, quitter salle de classe, fait si mon prend la rue, eh ben, pour empêcher que le système n'a rien fonctionné de manière adéquate et efficace pour si mon nom rejoigne, ça ou rejoigne effectivement, eh ben, pendant l'année scolaire là. Bon, faut qu'on dit que son problème qui est récurrent dans le système éducatif en Haïti. Mais heureusement, nous avons l'État qui est responsable, qui prend engagement pour résoudre le problème. Mais nous faisons cliver dans tête ministère. Nous devons un ministère qui dégaine là-dedans environ 4000, d'après ce qui est écrit sur papier dans les ressources humaines, environ 4000 enseignants qui étaient dans la salle de classe de manière irrégulière. Même quand même dit de manière anarchique. Parce que l'État, c'est lui-même qui est autorité nominative. Si pour nous entrer dans la salle de classe, il faut que c'est l'État qui doit vous rentrer. Mais nous connaissons en Haïti des bons dérives. C'est dans pile des autres tout dans le système, c'est l'absence de gouvernance. Pour n'importe qui décider de mettre tout le monde dans l'école. Eh bien, je vous dis là, dans quel état nous sommes sur ça. Nous déjà distribué plus de 5000 lettres, bien entendu, pas seulement pour le personnel enseignant. Il y a des cas de mouvement tout au niveau administration, mais puis finalement c'est les enseignants. Très bien. Et je dis à là, pendant que en vente d'une émission là, on fait se recevoir 813 lettres encore pour tout pays. Très bien. Donc, or depuis un mois de mars, en tant que ministre, on signe tout dossier que vient de nous. Très bien. Bien que me reconnaître en tant qu'enseignant. Qui connaît terrain bien, puis fort lycée dans le pays, côté qu'on a dit, pas de position pour faire coup de petit monde, il y a plus de mètres que ça a doué. Mais comme ça, dans la salle de classe, nous avons travaillé, nous avons des lettres, nous avons des lettres quand même. Je dis à là, pour nous-mêmes, nous estimons que faut que tout le monde ait des lettres, mais pour nous sûr de ça que nous disons, parce que maintenant, comme dans des revendications, qui a dit que je vais gagner qui baille même vous gagner. L'école là ouvert. Nous déjà parlé avec quelques organisations syndicales nos affaires enseignants qui veulent système d'avancer parce que là n'a parlé de organisation dans Haïti. Chaque organisation qui a fait pas la même agenda yo. Donc chaque agenda pas yo. Gagne ça qui là pour avancer en système là, gagne ça qui là pour régler affaires personnelles pas. Mais nous-mêmes nous dit jodi a nous parlons avec plusieurs syndicats d'enseignants. Côté nous dit, comme nous estimons que nous faisons des lettres, nous avons des gens qui disent qui baguette toujours. Ça, nous allons faire aujourd'hui là. Nous allons former des commissions qui peuvent passer dans toutes 10 directions de la Pantalio, dans 10 départements pays. Nous allons passer dans l'école nationale, dans le lycée, pour identifier si des maîtres. Toujours qui va gagner l'état. Alors, parce que nous-mêmes, nous voulons quitter le système, non? Un système stable, un système qui ne va pas remettre en dedans
qui travaille qui va gagner donc éléments nuisibles ça nous voulons évacuer une évacuer tout en ensemble. Alors 5000 lettres et pratiquement bail sur tout territoire au niveau des départements géographiques et question qu'a bien la journée aujourd'hui là est-ce que nous avons commencé à toucher déjà pour travail pour service que on rend l'état en pile nous commencé à toucher parce que nous venons joindre nous-mêmes des milliers d'enseignants qui ont des lettres dans le meilleur depuis 10 d'antan qui ne peuvent pas me toucher. Là, nous regardons, nous connaissons nous payer tout. Nous avons un budget rectificatif, nous, l'argent, pour nous payer 2700. Nous payons, nous, le chiffre là, monter 3000. Parce que nous avons 2700, nous avons en dedans ressources humaines. Très bien. Mais il n'y a pas 4 autres personnes qui ont des lettres dans le meilleur qui ne peuvent pas enregistrer aucun côté. Donc, pour une politique d'apaisement, à un certain moment donné dans le pays, il y a eu pimpé l'aide, balancé d'enseignants, et pourtant l'aide, ça n'a pas aucun avis financier de préparer pour nous, pour le ministère des Finances. C'est ça que fait. Jusqu'à présent, nous avons quelques dizaines d'enseignants qui ont dit que pourquoi j'ai touché à l'instant de l'aide depuis plusieurs années. Donc, le problème, ça va venir avec l'administration pour là, c'est un problème pour joindre là pour essayer. Nous, tout ça, nous venons là comme problème, nous venons joindre là, nous venons avec nous. D'ailleurs, nous-mêmes, dans le monde nous commençons à nommer là, il y a pile dans yo qui témoignent nous-mêmes, qui commencent à toucher avant même l'être la vie de yo. Très bien. Parce que nous-mêmes, ça nous fait. Pendant que nous avons rédigé l'être, nous tout rédigé avis financier ou la finance. Or, avis financier prend moins de temps passer l'être là. Okay. Parce que l'être là lui-même, il faut qu'il monte dans la direction de l'école où nous travaillons là. Il faut le passer dans la direction de l'aide mentale, capoter dans les ressources humaines. Les ressources humaines parlent traiter dossier. Et c'est pendant la traite des dossiers dans les ressources humaines qui va nous venir découvrir qu'il y a plus de 100 enseignants qui ont asphyxié le cerveau de des enseignants qui sont dans la salle de classe, qui ont pris des nominations rapides et pourtant qui sont rentrés dans le système avec faux papiers. Il y a une qualité, une capacité pour être dans la position. Là, même Jean-Jodi a tout. Il y a parlé avec un directeur de l'école qui a dit ça. Donc, lui vient monter comme directeur au lycée. Mais il connaît que quatre enseignants même qui ne peuvent pas nommer. Mais qui c'est monde qui ont même de la chita dans l'ICI après un coup. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de profil. Les syndicats enseignants ou même qui ont aidé le ministère dans le combat justement et type d'infraction ça dans le système. Non. Et c'est ça le tagoyer. Parce qu'un syndicat d'enseignants, pour exister, il faut que l'école. Très bien. Donc l'entendre par exemple un syndicat d'enseignants dit la bloquer l'école. M'étonner. Parce que pour syndicat enseignant exister, il faut que l'école pour l'exister. Parce que job ball, c'est avec l'école pour le faire. Il faut que les batailles pour les bagailles avancent. Bien entendu, quand il y a un pile dans le système, par exemple, aujourd'hui, je parle au moins avec 4 représentants syndicats, dans 4 organisations différentes, de problèmes, lettres, ça, yo. Yo dit clairement que, il y a des lettres qui sortent, car l'on l'école, mais c'est un dossier qui est en cours déjà qui veut traiter. Parce que nous avons pris l'aide à notre direction générale, nous récupérer. Parce que l'adapter des dossiers, nous faisons sans discrimination. Maintenant, les lettres qui viennent sortir, il y a des gens qui sont déjà dans le système, ils viennent décourager depuis 2013, 14, 15, ils viennent le système, mais le dossier était là, l'aide divine fait quand même. C'est les lettres qui viennent dans l'école là, où les gens qui sont dans le système. Comme ça, tout le monde a cherché à retourner dans le système. Donc, ils étaient quittés parce qu'ils ne sont pas nommés. L'aide de l'État bail il retourne. Là, il prend renoncer de l'école. Et je dis à là, il faut lycée, par exemple, il y a plus d'enseignants que ça doit gagner. Parce que là, tout le monde, nous avons lycée Dikini. Nous avons un lycée dans Jacques Mel Péchina. Nous avons un cap, nous avons lycée Philippe Guerrier. Tout lycée, ça a trois enseignants parce que ça doit gagner. Mais là, pourtant, le problème d'inspection scolaire qui inspection scolaire que nous allons renforcer. Donc, pile bagaille que nous devons faire, mais tellement de problèmes récurrents, il faut nous résoudre d'abord. On a avancé, mais nous pas avancer dans la question la gouvernance du système. Très bien. Parce que nous avons un grand problème là-dedans. Mais je dis à la priorité pour nous, c'était enseignants qui sont dans la salle de classe, qui travaillent de manière irrégulière pour nous dénommer. Et je dis à la jambe d'Oulia, nous avons plus passé 5000 lettres. Après-midi encore, il y a 813 qui viennent. Et d'après sa directrice de l'Ouest, l'Ouest Adim, il y a 423 nouvelles lettres qui viennent. Après des milliers qu'elle déjoigne déjà le débat, nous croyons demain là, il est convoqué tout directeur de l'école nationale, directeur lycée, pour la remettre l'aide publiquement. Parce que, vous connaissez dans le pays d'Haïti, il y a des gens qui ont cherché tout petit bagaille. Les bagailles là-bas, on va dire le bon. Mais l'aide pas bon, elle dit le pas bon. Même nous, d'accord, tout l'aide pas bon, puis on dit le pas bon, pour nous faire l'avancer bien. Mais je dis à l'âme, au plus haut niveau de l'État, il y a une responsabilité
pour résoudre problème récurrent éducation dans le pays d'Haïti. Parce que ce n'est pas possible, chaque année, depuis plus de 30 ans, c'est toujours on a des gros mouvements de blocage. Parce que nous travaillons pour ça. Très bien. Donc aujourd'hui, là, nous disons nos responsabilités. Nous, et là, je m'adresse à tout enseignant, m'adresse à toute société. Parce que, imaginons, qui j'aime nous comprendre moi-même comme enseignant, petit pour aller à l'école, et puis moi-même, je vais faire l'école pour l'autre monde. C'est parti, mon deux victimes. Donc là, c'est un problème de conscience, d'accord, c'est un problème de citoyen. Conscience positionnelle. D'accord. Un enseignant capable de faire des revendications. Des côtés pour adresser le problème. Non. L'État là pour prendre responsabilité. Mais c'est parti, mon nom, par enlever l'école, pour avoir mettre mon nom dans la rue. Et très souvent, il y a des gros dégâts. Ça a des gros conséquences. Donc il faut qu'on respecte tout le monde. Tout le monde sait même qu'il a un droit pour l'apprendre. Et le droit pour le bien apprendre. Alors, le droit tout pour respecter le nombre d'heures, le nombre de cours, le nombre de jours de classe que tout le monde a gagné. Maintenant, si il y a une revendication, qu'on pose un problème de revendication avec l'État, et l'État là, lui-même tout, pour porter solution à problème. Très bien. Alors, nous allons gagner pour nous retourner dans l'émission pendant la paix. Continuer la discussion ça avec le ministre autour de la gouvernance système. Nous avons bien pour nous tourner sur ça, sur l'élément ça qui est fondamental parce que si le système n'a pas bien géré, on comprend que là toujours bien, il y a une crise en dernier qui paralyse, qui fait que les gens ne peuvent pas bénéficier de peine d'éducation, Jean Satadrié. Nous regardons qui entre l'école là qui est faite dans le département nord-ouest là. Mais tout de suite après, nous avons bien pour nous tourner avec le ministre pour nous parler de l'autre catégorie de professeurs. Professeurs qui ont un petit boulot pour nous connaître qui s'est fait pour nous, pour permettre justement que le groupe de professeurs eux-mêmes, ben, ils rentrent dans la salle de classe pour le faire pour normalement parce que quelque part, eux-mêmes, tous, ils participent dans le fait, le système n'a fonctionné. Nous allons tourner pour nous parler de professeurs sous boulot. Tout de suite après, nous finissons de regarder qui ont entré dans la classe fait en un département nord-ouest pays. Parents, élèves et professeurs, Pété présent bien bonnet dans matin dans lycée de Sima d'Ossainville dans l'occasion de lancement officiel ouverture l'école là qui fait pour première fois dans la section communale Marouge. C'était occasion pour direction départementale ministère distribuer kits scolaires qui gagnent là-dedans, cahier, valise à crayon. Directeur départemental ministère éducation nationale là, oui, Blé Amiel Dufresne, insister sur l'effort qui lui est fait dans mes temps élèves, parents et professeurs l'école pour permettre l'année académique 2018-2019 là pour tes gros succès. Dans ce sens-là, il expliquait divers travaux qui déjà en main pour mettre en application disposition ministère de l'Éducation nationale là. Nous avons soif ça et comportement yo m capable traduire pour moi remercier président République là parce que il t'ai pensé à yo et ça fait me comprendre gens yo avancé avec engouement que yo gagné donc c'est pas nous pas gagné assez de kits pour nous distribuer ba yo. Pour professeur yo moi message me lancer ba yo pour me dire que prends patience, gouvernement pense à yo, et que ministre actuel là, squad démissionnaire, sorti mette dehors en pile lettre, depuis nomination, moins, depuis installation, moins, jusqu'à date, nous distribué déjà environ 300 lettres. Parmi yon, jodi en là, moi gagné 94, que m'va le remettre, et chef personnel, moi, pour capable enregistrer et passer par les professeurs yo. Pour élèves yo, moi, je demande pour mettre beaucoup plus de volonté là, Kayo, parce que c'est pas l'heure n'est plus au plaisir. Et c'est pour nous garder actuellement comment le monde là va avancer. Et Nelson Mandela te dit, l'éducation, c'est l'âme la plus puissante pour combattre l'ignorance et la misère dans un pays. Donc, je pense, autant que l'élève est formé, autant que l'école, yo bay tête yo, pour être capable de faire une meilleure formation, c'est autant que nous avons gagné une meilleure société de demain. Quant aux parents, moi, je demande pour vous bailler tête sur beaucoup plus d'engagement. Longtemps, les parents pas qu'on lit, mais ils suivent éducation petite, ils suivent et apprentissage de monde. Distribuer kits scolaires à élèves, c'est une parmi les dispositions gouvernement place la plan pour accompagner maman et papa petit, surtout ceux-là qui sont dans une situation économique difficile. Haïti 360 n'a pas l'éducation avec le ministre de l'Éducation. Hein? Monsieur Pierre-José Agenor Kader, lui-même qui a fait précision autour de toutes dispositions que le ministère prend pour lui permettre que entrer des classes avec une réussite à l'ISA pour tout le monde dans 10 départements pays.
Nous t'as parlé en vent, nous t'es prend premier pour ça et en émission autour de et qui gens qui s'acte fait pour permettre de régulariser position professeur en dans système là. Bon groupe professeur de manière spécifique, c'est professeur qui en dans programme de scolarisation universelle gratuite obligatoire là sous goa et ben yo même tout qui en dans système là. Nous va regarder avec ministre mais qui s'acte fait pour permettre que professeur ça même rive toucher l'argent que l'état de yo et qui s'acte fait tout en dans programme ça pour permettre que le continuer et faciliter accès à l'éducation à Pristine. Ministre, est-ce que vous avez une attention spéciale pour Sugoa et pour professeur qui en dans le programme ça et Anissa? Bon, Lionel, Sugoa son projet. Et c'est un projet l'école qui était très bien pensé, qui a une bonne intention, mais qui était très mal démarré. Et Sugoa lui-même, c'est avec l'argent, et vous connaissez, bon, on a parlé de ça, si tout le monde est dans le diaspora, le capitaine de nous là, il y a bien content explication pour le bail là. Parce que tu dois poser peut-être une question, qui ça a fait avec dollar 50 le bail là? Ok? Et bien c'est l'argent ça même qui t'est rentré en DAPSUGO. Avant loi FNEA, l'argent ça t'est dépensé sous non autre fonds de contrepartie. Mais aujourd'hui, à là, l'a dépensé de manière légale. Mais seul problème qui posait aujourd'hui, et on connaît fonds PSUGO ça, il est sorti sous appel téléphone qu'a fait Dieu. Il est sorti sous transfert qu'a fait à l'étranger avec ça pour nous bailler le bois. Et nous disons merci pour ça. Mais je dis à vos collègues, font ça vient baisser en pile avec question appel qu'a fait sur WhatsApp. Donc nous n'avons pas fait appel qu'on est encore. Donc avec tout appel qu'a fait sur WhatsApp, le ça fait 10 000 fois. Ok, gagner tout et transfert autour. Depuis 11 septembre aux États-Unis, parce que plus fort transfert aux États-Unis est sorti, transfert au vient baisser. Mais fonds ont toujours existé, et c'est avec tout, nous réhabiliter en pile dans l'école nationale, même si c'est en pile qui était pour passer maintenant, parce que c'est en pile qui est en mauvais état, et là, nous avons fait vivre dans cette ministère, eh bien, sous environ 2600 l'école nationale fondamentale, eh bien, tu as presque 2000 ans qui sont mauvais état. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous vivons réhabiliter environ 500 et nous continuons à réhabiliter. Je ne sais pas plus tard, aujourd'hui, là, je parle avec un monde qui est dans Saint-Michel de la Talaye, qui voit une photo en l'école nationale. Et c'est triste. Mais là même, nous étions engagés pour nous aller intervenir là-dedans. Très bien. Ensuite, nous avons parlé de Psugo toujours. Depuis tantôt 2 ans, pas de Psugo en dents privé. Parce que l'agence a été gaspillée dans mauvaise condition. Avec des gens qui ont l'école dans la valise, qui tapent l'agence sous l'État. Et nous, on est tout, gagné des côtés dans le pays d'Haïti, qu'on voit l'école nationale plan 29, nous vidons un bon tunnel, ils font l'école privée, puis ils ont fait l'agence sous l'État ou les psycho. Ok? Je dis à nous, qui ça lié? Eh bien, l'État lui-même, lui paye pour tout petit monde. Qui l'école, dans l'école nationale, l'école fondamentale, sorti dans la première année, puis dans la sixième année, Jean Maman Loa Pays Amandel. Très bien. L'État dépensait 400 gouttes pour être chaque petit monde qui est dans l'école nationale, sorti première année, puis sixième année, Jean Maman Loa Pays Amandel. Petit monde, ça va devoir payer. Parce que font un pas de gants là-dedans, depuis semaine passée, eh bien, l'argent, tout dossier déjà allé à la banque, pour faire vivre sous co-direction des Atlantalio, nous voyons 50%, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais il faut qu'on dise, même jusqu'à l'année passée, c'est 250 gouttes par tête dans des colliers, l'État qu'on mettait pour. Mais nous dit que, aujourd'hui, avec Koulavia, nous mettons 400 gouttes. Alors 400 gouttes, c'est par mois, par semaine? Par tête, Timoun. Okay. Chaque Timoun a 400 gouttes qui investit pour lui. Ok. Pour l'année. Chaque Timoun. Et maintenant, nous mettons 50%, 40 gouttes pour lui, et, okay, et 200 gouttes pour tout petit monde, ok, sur 400 gouttes là. Donc nous mettons pour lui, et d'ici janvier, février, là nous pensons comme ça, nous allons épuiser, nous allons mettre l'autre 50%. Très bien. Mais il faut que nous disions que les montants de l'entreprise comme ministre de l'Éducation nationale, en mars 2017, l'école d'ouvre en septembre, pour qu'on ait un goutte qui était déjà déposé pour l'école fonctionner.
l'école fondamentale. Alors, bonne information fondamentale que vous avez là, c'est le fait que et Tsuboa, qu'on n'y a pas dans l'école privée encore, ça n'est pas dans l'école privée, ça n'est pas dans l'État. Je vous dis, c'est professeur, vous pratiquement payé pour si nous, c'est une raison qui fait ce de 400 gouttes n'a pas là, pour nous ne pas comprendre que 400 gouttes là, ce monde est très dérisoire par rapport avec une année d'éducation pour si nous. Chaque grain de si par exemple, si nos salles de classe là, si nos salles de classe, il y a 50 timoun, nous payons 50 fois 400 gouttes pour salle de classe. Très bien. Et puis, c'est nous-mêmes qui payons enseignants autour de nous. Très bien. Enseignants, nous payons. Vous comprenez? Par exemple, il y a un problème que nous devons jouer. Depuis longtemps, nous avons fait un petit groupe pour nous. Nous avons sous un an, deux ans, nous avons touché. Très bien. C'est ça que jusqu'à présent, nous avons dette pour enseignants dans le niveau psycho. Qui datait de 2014-2015, jusqu'à présent. Alors, il y a des actions qui ont mené au ministère des Finances pour nous payer de ça. Oui, à plusieurs reprises, comme son dette publique, je dis, nous-mêmes, nous écrit, nous adressons nous à ministère des Finances, et je dis, ministère des Finances mobilisé. Les autres font semaine à travers là, ils ont mobilisé pour résoudre le problème. Très bien. Comprenez? Maintenant, ça contribue dans le système. Contrat au vide trop tard. Par exemple, pour aller ça, en mai, en juin, direction départementale a voué contrat pour les gens qui travaillent en septembre dans Sugo, dans Ponec. Bon. Les contrats venus, il faut que le contrat soit signé par moi-même, il faut que nous voyons un coup de compte, pour coup de compte, si il signe tout, après ça, coup de compte, vous voyez la finance, c'est la finance pour le toucher. Donc, mais cette année, nous avons environ 900 millions de gouttes pour nous payer enseignants Ponec avec Sugo. Mais heureusement, nous faisons marché brisé. Jodi à l'âme signé pour Sud-Est. C'est par département nouvelle. Parce que pour éviter des ordres là-dedans, nous signons pour aller payer pour essayer dans le Sud-Est. Mais l'homme finit signé aujourd'hui à là. Ça va veut dire que c'est demain ou après-demain, nous allons jouer l'argent. Mais c'est une fois à côté à bien bonnet. Donc à, il est vrai qu'il est très tard. Mais par rapport à toute année avant, nous sommes capables de dire bonnet. Parce que l'année à compte fini, c'est un lien projet fait pour payer. Donc, année ça nous prend disposition pour la disposition nous pour 18, pour année nouvelle année ça. Nous déjà passé des instructions formelles à tout concerné pour repenser Jean Contre Bagay. Très bien. Moi, je dis clairement, si l'école ouvre en septembre, comme année fiscale a commencé en octobre, dès octobre, il faut que nous ayons tout contrat au ministère. Donc, ce n'est pas au dernier moment pour débarquer avec contrat. Très bien. Quitte ces universités publiques. Quitte ces ProNet, quitte ces Psugo, c'est même réalité. Même réalité. Très bien. Donc, il n'y a pas fait contrat pour vous attendre. Vous comprenez? Et même là, vous voyez des institutions, parce qu'on n'est pas sans demander. Mais ça ne va pas empêcher que, mais, etc., contrat bille. Très bien. Ça fait année ça là, nous prenons disposition, nous prenons décentraliser la question contrat, même si nous voyons des experts dans toute direction de la contrat, pour aller encadrer Mounio. Parce que ce n'est pas possible pour nous faire un an de travail, c'est notre dernière partie. Mais actuellement, tout bagage déjà préparé pour payer honnête avec Sugo. Eh bien, nous montons totalisé environ 900 millions de gourdes. Et toutes dispositions déjà prises avec le ministère des Finances, nous avons une équipe ministère, avec une équipe ministère des Finances qui travaille ensemble sur tout dossier. Nous travaillons sur le dossier pour te liquider rapidement chèque pour éditeur. Pour manuel scolaire avec dotation. Très bien. Nous travaillons tout sur question paiement pour net avec Sugo. Nous travaillons tout sur question enseignant qui dit que les temps toujours, qui ne pourront jamais arriver à toucher. Parce qu'après toucher, pas dire, pas demander nous. Oui, c'est seulement nous préparer le dossier. Nous. Regardez qui genre de l'école là qui est faite dans le département sud-là, au niveau de Vidoka, et nous connaissons les propres là dans le sud-là. Pour les vraiment grand pile l'école et grand pile tout le monde qui a l'école. Après, nous allons retourner pour nous faire le point ensemble avec le ministre autour de questions infrastructures scolaires. Pour nous garder qui chantier couvert, mais qui nouveau chantier gagné et qui s'est fait en termes de travail de réparation dans le conseil de l'école l'État qui n'est pas vraiment en mauvais état ou bien qui n'est pas à souhait. Et maintenant, tremblement de terre du janvier 2010, ça qui pour jamais venir camper vraiment sous des pieds. On garde l'image dans le sud pays. Après, pour nous tourner, pour nous continuer de brasser l'idée et faire promotion, connaissance éclairée, connaissance utile en émission pour là, Haïti 300. 60. Kit yo gen yon valise et en dans valise la gen yon douzaine cahier, gen règle, gen plume, gen crayon, gen gomme. À côté de kit scolaire yo, gouvernement tout subventionné et manuel scolaire yo à 70%.
Et m'a profité de l'espace ça pour me tout dire nous. Et année dernière, l'année avant, pour élèves qui sont au niveau premier à deuxième cycle, l'État a mis 250 gouttes à disposition de l'école. Mais année ça, il a augmenté la quantité d'argent qui a gagné à disposition de l'école nationale. Il est passé de 250 gouttes à 400 gouttes. C'est une façon pour élèves qui sont dans l'école, eux-mêmes, dans le niveau premier et deuxième cycle, ils n'ont pas gagné un goutte pour payer. Ma profite de préciser pour nous là, je dis que les gens qui ont gagné pour payer dans l'école de l'État, c'est élèves qui sont dans le troisième cycle avec dans le lycée. Yo. Et mon sa yo pa gen pou yo payer plus que 1000 goud. Et 1000 goud ki gen pou yo payer, il reparti comme suite. 20% normalement doit retourner dans direction départementale là pour si gen une intervention pour le fait. 20% ta doit aller pour si réparation dans l'école là, si gen deux classes qui méritaient peinturer pour yo peinturer et reste 60% normalement li pral aller pour activité quotidienne dans l'école. Pour regarder qui gens entre l'école là t'a fait dans le département sud pays et Jean ministre t'a dit là directeur l'école là s'est confirmé là pratiquement c'est 400 gouttes journée jeudi là et ben l'état haïtien mettait pour chaque élève qui a poursuivi une élévation en dans l'école publique. Ministre Pierre Joseph Agenor Kader, émission revient en phase là qui est extrêmement intéressante. Nous allons parler de sa mini infrastructure scolaire. Nous connaissons dans le ministère avant vous les génies scolaires. Comment ça y est? Combien de chantiers nous gagnons qui ouvrent? Combien de nouveaux écoles nous déconstruit? Et puis en termes de réparation, tout en dans l'école de Grand-Patasso, j'aime d'abord dire ça. 12 janvier 2010, le tremblement de terre, là, l'humanité passant dans le pays. Et même si Claude Mathieu, tout nous connaît qui a affecté en pile l'école, dis-nous et qui s'est fait pour permettre que l'école soit recampée rapidement sous des pieds et accueillir les gens dans de bonnes conditions à Nissa. Bon, et Lionel, avant de répondre à une question directement, je suis obtenu de directeur départemental sud de la Bonne-Posée, qui m'a renforcé. Cette question pour tout le monde qui est dans le lycée, donc, l'État payé pour tout le monde de la première à la sixième année, il y a environ plus de 750 millions de personnes qui sont dans la situation. Dans plus de 2500 l'école fondamentale. Mais pour le lycée même, parce que l'année passée, dans un département de pays, nous avons visité, dans pile directeur lycée, qui ont fait des ordres dans le département ça, qui étaient soulevé tête de mon sang, ils ne pas comprendre, pour devoir prendre la rue, parce que justement, quand ils ont sauté, ils ont un bon l'État qui a fait des ordres dans des ordres. Longtemps, ils ont pris un gros magot dans le lycée. Ils ont dit qu'ils ont un bon frère pour le payer pour chaque examen, ils ont un bon bail pour déblayer. Etc. etc. Pile l'école, en pile l'école de contrôle. Depuis l'année passée, nous prenons des mesures. Nous disons, dans tout lycée dans le pays, on dit que les gens qui ont lycée ne doivent pas payer plus de 1000 gouttes. Et 1000 gouttes, ça, mais les gens vont répartir. Direction lycée, la banque, bien sûr, la prend 20% là-dedans pour faire réparation dans le lycée, pour peinturer le lycée. Donc, si vous avez un lycée, pas peinturé, et nous allons faire instruction pour ça. Donc, la dit code 20% ça passe. Très bien. 20% pour le déposer sous compte direction de la comptable là. Pour qu'à permettre direction de la comptable ça, si dans le département côté il y a un problème dans l'école qui méritait une intervention légère, pour qu'il y ait moyen, il a besoin d'un ministère éducation nationale, l'administration centrale, pour faire une intervention pareille. Très bien. Et reste qu'à prêter à 160%. Vous voyez 160%. Oui, 160. Donc, la prendre pour fonctionnement lycéen pendant toute l'année. Donc, mais, nous sommes clairs, parce que il y a quelques stations radio qui ont parlé, qui disent que, dans la province surtout, il y a des côtés nouvelles à pas arriver, il y a des directeurs lycéens qui prennent plus de 1000 coups de métier. Donc, la dépôt de servir, vous pouvez servir, moi, tu même, il est privé jusqu'à la révocation, pour faute administrative grave. Parce que l'État m'a dit, on a tout lycée pour qu'un petit monde ne paye plus que 1000 gouttes. Et 1000 gouttes là, tout bagaille compris. C'est ça l'État mandé. Et moi-même, quand je parle à voilà là, je fais bon petit temps comme directeur lycée. Et dans le moment de directeur lycée, c'était 400 gouttes que nous avons fait tout le monde payer. C'est dans la dernière année, à 2500 gouttes. Donc, et lycée a toujours fonctionné. Donc, chaque année, on toujours fait un rapport pour mettre direction de la comptable. Ok? Donc, et à Nessatou, nous allons demander le gouvernement système pour toute direction lycée remettre un rapport financier par direction départementale. Ok?
Donc, faut que l'ordre. Maintenant, question de deuxième d'aller, c'est. Question d'infrastructure scolaire, dans quel niveau nous y est, combien de chantiers nous gagnons, qui nous avons voulu aller ça. Pendant qu'on a parlé là, nous avons déjà réhabilité environ 500 écoles à travers tout le pays. Très bien. Et nous visite, par exemple, là dans l'Ouest, sous passé dans l'École nationale du Berlin, ou après qui s'en fait comme réhabilitation. Ou voilà dans la carrière Saint-Pierre, École nationale du drapeau. Après qui ça nous fait comme réhabilitation. Dans le déluge là, depuis quelques mois, nous avons l'école nationale qui est en très mauvais état. Et bien, le contrat fait sortir dans le cours des comptes. Le chef Cabral sorti, il a commencé à faire réparation là-dedans. Il y a dans le nord-est, dans tout le département pays. Et en plus de cela, nous faisons sortir dans ces marchés là pour construire 30 nouvelles écoles nationales fondamentales. Nous avons travaillé tout le pays à raison de 3 par département. Il y a l'école ça à Paris. Bon, ça va pas dépendre de nous qu'on est là. Marché a lancé, donc le marché a fait lancer. Donc, 3 nouvelles écoles dans chaque département. Très bien. Même si, avec l'aide du Japon, donc ça c'est un trésor public, on se tendait avec le Japon, il y a 10 nouvelles écoles qui peuvent faire dans le centre. Il y a 2 dans la Tibonite. Dans le nord-ouest, il y a 12 écoles nationales avec fonds bid. Mais l'État lui-même il investit en pile dans la construction de l'école. Et dans le budget, nous tout, par exemple, nous avons un marché qui a lancé là, et qui tout le monde a fait prêt pour le lycée Marie-Jeanne qui est détruit le 12 janvier. Pour le lycée des jeunes filles. Il faut les lycées. Nous avons déjà lancé le marché tout pour reconstruire la faculté des sciences humaines. Ok? Et ça, c'est dans l'Ouest. Maintenant, tout le pays a fait ça. Il y a un lycée qui a un problème dans le niveau de l'État. Et nous travaillons sous l'Empile. C'est le lycée Jean-Jacques Dessalines. Très bien. Qui est le président? Qui est le premier ministre, qui est l'autre ministre, qui est moi-même, nous parler de ça dans le conseil des ministres. Nous dit on lycée qui porte le nom Jean-Jacques Dessalines, papa nation, il doit des beaux escopes figues. Mais si on le passe pour dire là, jusqu'à présent, il détruit dans le 12 janvier 2010, par rapport avec le côté de l'IA, il va le décraser. Très bien, mais on va le décraser. Parce que l'espace, ça, côté de l'IA, même si l'école nationale, il va construire. Et je dis à la nous mettre dans le budget nous, dans le budget 18-19 nous, mais le problème n'a pas cherché à joindre pour nous résoudre qu'on y a là, c'est joindre l'autre espace pour nous. Par exemple, nous avons le lycée Marie-Jeanne, nous avons qui besoin de construire, mais son lycée qui est là-dedans, une grosse population est là. Soit gymnastique n'a fait, nous avons fait, pour qu'on ait un espace pour nous mettre des timounio, pour nous reconstruire ça, nous ne pouvons pas encore joindre. C'est notre collègue PSC, nous jouons quelques côtés, quelques autres lycées, qui est quelque salle vide, nous allons. Nous avons un chantier, lycée Kafoufé là lui-même. Jodi a, il y a un ingénieur qui l'a dans le relais pour venir porter clé à vous. Mais ce bagage du problème là-dedans, nous avons une aide quoi ouf là-dedans. Mais nous, ouais, jodi a, président Pierre Mandé nous ça même. Nous pas qu'en 2018, pour dans l'école, nous avons la trine toujours. Toute l'école qui devait la trine, aujourd'hui, elle a pété bloc sanitaire moderne. Donc, dans le lycée, ça fait construire malheureusement. Nous avons gardé, nous avons la trine toujours, et nous avons tué. Nous même nous avons fait intervention par nous pour mettre des blocs sanitaires là-dedans. Très bien. Nous avons gagné, aujourd'hui, à quoi nous avons lancé et officiellement rentré l'école là, dans le CIDA Voix, avec Évelyne Dumézil, son local flambant neuf. Nous avons dans l'autre encore, on va voir des par exemple, et sous la LUA. Donc, dans l'UL Vaillant, ou après, il y a l'école qui flambant neuf qui là. Donc, en pile l'école, nous déjà nous construit, mais en pile l'autre, tout demandé pour reconstruire. Vous connaissez dans le pays d'Haïti. Donc, moyen, c'est difficile, je dis. Mais pas en pile. Pas en pile. Mais avec, si moyen gagné, avec volonté, parce que dès que vous avez volonté, vous avez gros bagailles. Avec peu de moyens, c'est volonté à d'abord. Mais je dis à l'Abdou, un peu partout dans le pays, il y a l'école, nous avons environ 100 chantiers qui sont en cours là. Hein. Et très prochainement, nous allons inaugurer un paquet d'écoles. Là, dans Canaan, bon, l'école Flambant Neuf qui va inaugurer là. Alors, et aujourd'hui, là, dans Canaan, nous allons lancer un concours là. On a le personnel administratif et personnel enseignant pour Canaan. Mais dans la zone, nous avons un groupe de parents, un groupe de notables qui déjà fait institution pour nous. Alors, il y a des gens qui ont dit là, et pratiquement, on a construit un pile bâtiment, le bâtiment va venir dire forcément l'école. Augmenter off school et la permettre que l'État lui-même lui fait contrôle pour, par rapport avec privé, qui vraiment très répondu en enseignement éducatif là, son bon bagage, ça facilite que l'école moyen font baisser dans le pays.
pour scolariser tout le monde suspend à pourvu famille en pays. Mais cependant, augmenter offre scolaire là, pas forcément veut dire que c'est l'école. Par exemple, nous genoua et pas de possibilité pour mettre des cadres compétents là-dedans. Est-ce que le ministère allait nous pencher sur ça pour former Mounio et des cadres gagnés pour justement intervenir en dans la salle de classe et comme professeur qui j'en a fait ça, qui critère de sélection de personnel éducatif là. Bon, Lionel, non feuille de route qu'on gagne même là. Mm-hmm. Président personnellement prend engagement ça pour construire au moins, dans 5 ans, la presse pouvoir, 15 000 nouvelles salles de classe. Très bien. Et nous commençons à nous démarrer. OK? Maintenant, si nous avons une nouvelle salle de classe, et je dis à là, l'école n'a pas construit n'importe quoi dans le pays d'Haïti. Parce que nous avons une direction d'unité scolaire qui établit des plans standards. Il y a des normes, je dis, pour l'école construite dans le pays d'Haïti. Nous n'avons pas construit n'importe quoi comme ça. Bon, nombre de, en fait, 2 mètres carrés pour gagner sur l'école, et puis bon, gens pour l'école à construire tout, parce que à partir de 12 janvier 2010, nous prenons des leçons. Et, bagage, nous faisons dans ce sens-là. Alors, 15 000 salles de classe, 15 000 nouveaux professeurs tout dans le système-là. Maintenant, lors d'une nouvelle salle de classe, c'est nouveau enseignant tout. Mm-hmm. Et je dis à là, nous-mêmes, dans l'éducation nationale, nous faisons bagaille de manière, normale. Comment? Nous respectons le décret 17 mai 2005 là, qui dit, qui gens pour nous intégrer, fonction publique dans le pays. Donc, plus fort, ça nous fait, c'est pas au concours. Très bien. Et je dis à là, on va parler d'enseignants. Nous n'avons pas qu'un côté qui a formé enseignants dans le pays d'Haïti. On n'a pas qu'une institution. Certes. Mais là, nous n'avons pas qu'à prendre tout. Nous faisons un concours pour nous penser à la prendre. Mais pendant ce temps, tout, nous pensons à la formation enseignants. Très bien. Parce que toutes statistiques montrent que je dis en Haïti, nous avons 70% enseignants nous. Qui besoin bon genre formation, qui besoin recycler, je vais ajouter. OK? Des jours d'y aller, nous déjà élaboré, même si nous connaissons ça il y a quelques mois, nous élaboré une politique nationale d'éducation et de formation pour les enseignants et pour les cadres du système. Très bien. Qui va rentrer, qui va mettre en œuvre là actuellement. OK? Et nous faisons formation ça, et selon les normes de la nouvelle technologie, de la communication et de l'information. Alors, nous allons bien pour nous continuer à parler de formation enseignants, surtout là, nous allons aborder des questions nouveaux secondaires. Là, nous connaissons, et je vous dis là, qui gagne une importance capitale, bon, c'est pour nous ministre tout, et en un système là, par rapport avec côté nouveau ça, on prend ce nouveau ça, qui est le côté pour nous, en un système éducatif là, et côté tout là, et des gouvernements contre taux de perdition ça, qui gagne un système là depuis longtemps. D'ailleurs, nous sommes dans le dernier baccalauréat, qui continue de faire de manière normale là, qui volume moun qui pas passé examen ça. Donc, le nouveau secondaire, c'est un élément qui vient justement pour aider bataille contre pour les perditions ça qui, des fois, arrive dans des niveaux qui vraiment très, très élevés. Mais juste avant que nous continuions à parler avec le ministre, nous allons parler des transports scolaires là tout à l'heure. Mais avant de faire ça, nous allons regarder, mais qui j'entre l'école là, qui fait dans le département NIP là. Département NIP, puis jeune département pays, mais l'école est ouverte là-dedans. On regarde qui j'en ça a été passé. Après, on a continué avec le ministre. Fait promotion, connaissance utile, connaissance éclairée, en dans l'émission pour la Haïti 360. Le département, je vous reprise ça, semestre Saint-Esprit à cérémonie officielle pour lancer année académique, là, qui puisse marquer journée. Il y a ensemble activité qui permet autorité politique et éducatif dans le département communiquer avec élèves et puis professeurs ensemble conseil nouvelle année et puis témoigner solidarité. Dans l'occasion, directeur départemental éducation Niplan, Odel Joseph, renouvelé engagement direction lab dirigé pour travail pour réussir l'année scolaire. Chers élèves, chers jeunes, vous représentez l'avenir du pays. Nous qui sommes ici, nous étions jeunes comme vous. C'est vous qui allez nous remplacer demain. Vous devez donc vous adonner à vos études, sinon la vie vous sera difficile. Nous avons de la peine aujourd'hui à constater des hommes et des femmes de notre génération qui vivent difficilement la vie. Depuis toujours, dans la société, il existe des gens qui gagnent leur vie décemment. Tandis que d'autres ne le sont pas. C'est maintenant, pendant que vous avez l'élan juvénile caractérisé par la force et l'énergie, que vous devez en profiter pour vous préparer. La réussite appartient à ceux qui se sont sacrifiés
pour se former au temps de la jeunesse. Délégué Miplan, Guivan Labé dans l'occasion, rappelé chef administration Moïse là pour accompagner par un dans souci pour année l'école là bien passé. C'était l'occasion tout pour distribuer kit scolaire by élèves différents écoles département. Plusieurs élèves qui te recevoir kit scolaire, saluer geste ça d'après eux qui viennent dans un bon moment. Nous remercions la communauté. Bien parents qui va avoir une possibilité de bailler aux valises. C'est après la communauté. Je vous remercie. Jovenel Moïse, merci. Tout le monde. Directeur départemental là. Merci. 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 Dirigeant. Merci. L'espace 4 millions de monde retourné dans la classe pour l'année académique 2018-2019 là. Nous l'année académique qui commence le 3 septembre et qui t'a dû arriver dans Boutli 28 juin 2019. Haïti 360 a soit nous bay 4 blanches à question éducation, 4 blanches à entrer l'école là en dans émission pour là. Côté nous toujours faire promotion connaissance utile, connaissance éclairée pour permettre que ou même ou plus bien positionné par rapport avec Fayo et comprendre pour réalité que toi vivre là dans l'idée pour arriver transformer par rapport avec ça ou même ou bien en mot comme information. À soit on a parlé éducation, je n'ai pas avec ministre de l'éducation Pierre Joseph Agenor Cadet, lui même qui a fait le point sur ensemble de mise en place qui fait à travers ministère éducation nationale et au niveau de gouvernement d'une manière générale pour te permettre que entre les trois ça capable de vivre une réussite Jean Notab Julia. Nous allons parler Kounia dans l'autre chapitre, nous allons parler transport scolaire. Ministre Kader, transport scolaire là pratiquement une tradition, l'état fait un pile fort, pratiquement 200 autobus on a coûté directeur d'unité qui a parlé de ça et sur tout pays a qui type de rapport ministère éducation développé avec direction d'unité pour permettre justement que accès à question transport là si nous y rejoignons pour arriver l'école à l'heure parce que nous connaissons transport en Haïti c'est vraiment tête chargée lié je veux dire. Bon merci Lionel mais bon on peut même encore une petite précision on m'a regardé là dans tout côté dans le pays là l'école là a lancé on va des kits scolaires à distribuer très bien et forme tout ça aussi avec fonds trésor public ça veut dire que ministère arrivé sur et gagné UNICEF qui c'est un partenaire privilégié en Haïti. UNICEF. Les coordonnées en activité qui est là dans le BID Banque mondiale, nous allons distribuer pour nous kits scolaires dans 7 départements de la ville. Comme nous avons 10 départements, nous sommes en train dans l'ouest, dans le centre, avec dans le nord-ouest. Et l'État même parle plus concentré dans 3 salles. Mais on va faire comme ça. Nous rejoignons dans le ministère. Il va nous lister les priorités. Tout nous bail priorité. Nous va le faire avec direction des comptables, avec délégation, avec autorité collectivité territoriale dans zone. Donc nous va dès mercredi à commencer. Mais nous-mêmes l'État dès aujourd'hui a pris ce lancement où il y a kits scolaires à bail dans tous les 10 directions des comptables, il y a des kits à bail du toujours. Bon même si par exemple les aller au même il va le bail dans l'autre école, il y a OK? Et directeur va faire une liste école côté avec bail là. Donc nous faisons que pour pas dupliquer, c'est ça. Maintenant pour ça que transport scolaire, on dit bus dignité lui-même, il dépend directement du ministère des finances. Et dans toute rencontre qu'on a fait pour faciliter pour rendre l'entrée des classes ça facile, n'est-ce pas? Eh bien, tu es toujours en présence. Et M. Pillard, qui lui-même est responsable et autobus dignité, il était toujours dit que il y a 200 autobus qu'il a. Et dans le dernier moment, dans la rencontre qu'il a fait, il y a environ 37 millions de gourdes qui étaient débloqués pour lui-même dans le ministère de la Finance pour être capable de faire réparation technique, tout bus demandé. Et il était en train de dire tout dans toute rencontre, il dit devant l'autorité, nous gagnons une flotte de 200 qui parlent tout le pays, mais il dit qu'il y a 15 communes qui pourront gagner et l'État travaille pour couvrir tout le pays net pour 15 communes. Il y a 30, il y a 40, il y a 50 dans le département. Donc ça, c'est un bagage qui est des petits mounions en pile dans la question du transport scolaire. Et il dit tout, ils ont même commencé bien bonnet pour venir la gagner des petits mounions quand ils ont la prochaine masse. Et à l'année, ça, on va envisager. Pour de l'autre petit bus qui pour voir mon chaîne masse pour ça va le pile ou autre pour ça va le boudon et pour que tu le déposer pour pas en retard. Donc
tout bagay déjà bien planifié. Donc si me comprendre année et l'école ça son année d'école et planification pour nous permettre que nous arrivions justement à une réussite et pratiquement totale. Et dans même logique réussite totale là, nous allons enchaîner avec ce nouveau secondaire qui nous-mêmes il qu'est de nous à cœur et qui qu'est de ministre à cœur tout nouveau secondaire ministre. Grand pile faut qu'il fait journée jour dit là bien ça dans les généralisation et programme ça qui a fait à toutes les corps et pratiquement en pays à tout département aussi n'a pas dire comme ça et dis nous qui Jean ministre a mis organiser pour permettre parce que c'est pratiquement 11 ans d'implémentation programme ça gagné déjà en pays là qui Jean organiser pour arriver à généralisation ça journée jour dit. Bon Lionel m'a dit très sincèrement secondaire rénové, c'est une solution à problème éducatif haïtien. Cependant, il y a un peu de moyens pour la donner. Moi, je ne parle pas de la mobilité pour parler de nouveau secondaire. Parce qu'en 2007, le ministère de l'Éducation nationale a été choisi pour élaborer le programme histoire nationale là-dedans. Donc, je travaille là-dedans. Donc, je vais vous dire, je fermé pendant 22 jours. Dans un ange ville Jacmel, on a pris une formation, et en après, on a pris une formation divers côtés dans le pays pour enseignants. Mais le problème qui est là aujourd'hui, là, c'est un problème de formation. Et tout est déjà fait prêt pour accompagner les enseignants dans la formation. C'est l'autre problème qui est là dans tout, même l'aide de généraliser, c'est que y a 6 nouvelles disciplines, pas de gagner enseignants pour nous. Et là, nous montons là, nous faisons concours. Très bien. Nous lançons concours, nous mettons enseignants pour nouvelles disciplines. Il y a quelques problèmes manuels là, tout, puis en pile les écoles. Manuels, exactement. Direction enseignement secondaire pour un gros travail là. Et tout récemment, nous devons être tous dans les banques caribéennes de développement. Côté aujourd'hui là, on sait des manuels qui déjà, on sait des modules qui déjà prêts. Très bien. Dans le niveau direction enseignement secondaire et on va le distribuer. Donc, il y a un travail qui fait tout ça. Tout module est déjà là. Mais qu'est-ce que déjà imprimé, qu'est-ce qu'on va imprimer? Mais vous qui avez une sensation que manuel pour le nouveau secondaire, il y a passé dans la subvention qui baille, et sous question, et livre, et bon, jeudi à Lionel, il parle, mettez des secrets d'État d'ailleurs, mais quand il y a une grosse réflexion qu'il a faite sous question manuel scolaire dans l'Haïti. D'abord, dans le ministère, nous avons une direction pour les DCQ, direction contrôle de qualité. Job, c'est pour ça même. Et les montres là-dedans, vient apprendre que il y a environ 450 manuels qui là pour évaluer. Et on va travailler sérieusement. Très bien. On va travailler sérieusement pour ça. Maintenant, là on dit nouveau secondaire tout. Nous devons jouer là-dedans que problème charge horaire là-dedans. C'est un problème nombre de matières là-dedans, notamment aux examens. Très bien. Et nous devons faire gros réflexion avec divers chefs d'établissement public et privé pour nous dire que c'est pas possible d'avoir aucun pays actuellement sur la terre pour si vous dans l'examen d'État, pour la faire 14 matières d'examen. Donc, nous avons fait un gros travail pendant toute l'année qui se passe là. Nous avons agi et sous charge horaire, et sous matière d'examen, yo, et bien. Sous matière dans l'école. Et je dis à là, bon, gros avance fait. Et vous pouvez demain à 2h, dans le ministère, dans Delma 43, bon, grande rencontre qui va le faire avec des experts, des techniciens, des chefs d'établissement, c'est sous bien. Question au niveau secondaire, pour toute bagarre de décision commun, pour venir. À jouer avec. Alors, ministre, ça permet de conclure avec disposition prête avec la police pour sécuriser les timons de l'école, pour permettre que justement le bon climat d'apaisement en notre pays, avec les timons de l'école, sans qu'elle soit rapidement quelques mots qui disposition prête ensemble avec la police et qui j'aime travail pour nous permettre que les timons de sans qu'elle casse à l'école. Dans toute rencontre que nous faisons, et nous passons plus que un mois, nous faisons rencontre, nous planifions entre l'école. Dans rencontre, directeur la police là, directeur circulation là, responsable sécurité publique là et ministre justice là tout. C'est bien. Parce que l'ordre de l'école, c'est tout le monde qui concerne. Travaux publics, tu es toujours là dans le rencontre tout. Parce que l'ordre de l'école, la sécurité routière, il faut que la sécurité là-dedans. Et il faut que la routière tout. Il faut que le travail qui vous fait. Ministre environnement, tu es toujours là tout. Parce que l'année ça, tu es dans l'institution président. Très bien. Donc, il se passe 4 millions de monde nous gagnons, tu pourras rebraser à Haïti. Parce que question rebrasement, je dis à lui obligatoire dans toute école. Très bien. Quitte l'école privée, quitte l'école l'État. Et si nous avons une bonne note pour le reboisement, non seulement la bonne note là, à bien théorie à la pète, mais c'est de manière pratique
côté ti nous pral prend pays a puis al planter pied bois pour nous ka gon l'autre Haïti. Donc grand pile effort qui fait dans ce ça. Donc là n'a fait rencontre yo. C'est tout acteur ou même dans groupe PNCS. Nous a fait cantine scolaire. Très bien. Ouais, tout là parce qu'on connaît santé nutritionnelle là, nous jouons un gros rôle important dans l'apprentissage là. Un rôle important dans l'apprentissage là. OK? Et aujourd'hui par exemple dans lancement côté moi madame président moi-même l'autre monde qui est là tout a mangé avec ti moun yo dans cantine scolaire son image te que nouvelle représentant il dit c'est placé là tout qui a félicité moun yo qui dit pour goul manger al prend manger qualité manger c'est production nationale encourager très bien ouais production nationale si moi jeune légumes li jeune huile li jeune pois li jeune viande donc c'est comme ça nous va faire là alors soirée pas suffi pour nous ta parler émission ça pas suffi lui même pour nous ta parler justement de éducation dans pays à rentrer de classe tellement il y a un élément pour nous ta toucher espérer que l'émission ça il était arrivé satisfait attendu par rapport avec diversité que tu là dedans ensemble d'éléments que nous de toucher ou tu garder tout qui j'entre l'école la fête dans différents départements et assurer moi c'est qu'on comprendre nécessité pour vous petit pour l'école ou même qui pour co et ben vous aller dans l'école parle pour aller se voir peine inscription parce que chaque jour l'école comptait dans formation si nous apprend et dans capacité que l'a bien tout justement pour l'appréhender ensemble des éléments que l'a bien pour l'apprendre pendant toute année. En attendant que nous continuer faire connaissance spirituelle dans l'émission pour là, n'a pas ces rendez-vous pour une prochaine édition Haïti 360 côté question éducation qui est fondamentale pour nous reconstruire pays ça pour nous reconstruire l'autre modèle citoyen pas jamais campé. Ministre Kader, merci pour la participation. C'est moi-même qui vous remercie, Lionel, du fait qu'on permette pour parler avec auditeurs, avec parents, avec élèves. Et vous avez permis de vous souhaiter tout. On l'autre fois encore, bonne année scolaire. Pour monsieur connaissance, c'est clair, il n'y a pas besoin de vous dire là. Rendez-vous cassé pour l'autre édition pour nous continuer avec mission ça que nous gagnons pour nous porter information utile. Bah, la caille.